Donc voilà, on a plein de combats qui nous attendent. C'est reparti. On a plein de Justin à battre. Ah non, on n'en a qu'un. Tu es trop jeune pour comprendre, mais les femmes aiment les garçons cool et un peu snob. Alors je me disais qu'en me faisant passer pour Justin, je plairais plus aux filles. Ok. Toutes les femmes sont mes camarades d'armes. Elles me connaissent toutes. C'est pas la peine de les baratiner. Morsure ici et feinte ici. Allez, ça c'est fait. Ouais, ils ont peut-être recapturé des Pokémon obscurs depuis la dernière fois là. Allez, 33 et 26, cool. Attention, Pokémon O. Ah, t'as une merde là. Ne touche pas. Alors, ça et ça. Hop, ça c'est fait. Ouais, je m'en doutais que je l'aurais d'un coup. Je le sentais. Perdu. Oh bah oui. T'es qu'un gamin, mais tu caches bien ton jeu. Ah, y a un truc. Merci. Bon, je vais là. Oh, oh. Bienvenue au centre de formation Pokémon, ou comme tout le monde l'appelle, le CFP. Ah, tu as une aide du mien pour Justin, c'est vrai? Ah, mon petit dôme dit... Je m'en doutais que c'était un méchant. Mon petit dôme dit que je dois te prendre cette lettre. Ah, vas-y, essaye. Heureusement que les règlements de compte, c'est toujours sur les combats Pokémon là-dedans. Alors, bah, je vais faire exactement pareil.
les mêmes attaques sur les mêmes Pokémon. Ah, un obscur. J'espère que je vais l'avoir. Alors, un morsure, c'est trop risqué, je pense. Je mets de charge, c'est moins fort déjà. Et là, bah, je mets rien, je mets ça. Ouais. On va en mettre quelques-uns encore. Oh, et tout ça? Ça va pas, non? Comment ça, ça échoue? Moi, oh, c'était hurlement, on s'en fout. Ouais, encore un charge, et après, je leur signe vol. Apparemment, ça n'a pas d'efficacité sur Natu, ça. Yo, le... voilà, je le mets quand même. Si je mets charme, après, j'ai peur que... Peut-être que ce serait efficace, mais j'en sais rien, en fait. Pas sûr. Oh là. Doucement. Par contre, quand je dis efficace, c'est efficace... en mode attaque, hein, bien sûr. C'est efficace pour le statut. Bon, je vais mettre une Pokéball. Et j'espère que c'est bon, là. Et je vais soigner des molosses en plus. Ben oui, t'as qu'à voler nos Pokémon aussi. Elle m'a vu voler son Pokémon. Non mais je l'ai pas volé, hein. C'est juste que je le sauve. Ah, je peux pas utiliser celui-là. C'était laquelle maison où je pouvais prendre des livres, parce que je soigne les Pokémon. Peut-être plus par là. Là, je sens que des combats, on va en avoir encore pas mal. C'est pas fenacier. On y retourne. Là. Ah, j'ai déjà vu ce gamin. C'était pas au labo ombre. Si, c'est ça. Non, je suis bête. Je suis Justin maintenant. Je ne peux pas l'avoir vu. Salut, je m'appelle Justin et je combats pour la justice. Si tu as besoin de conseils, je suis à ton service, mon ami. Hein? Un labo dans le désert, tu dis? Non, je n'ai rien dit de tel. Tu ne me crois pas? Il se fout de ma tronche en plus. Petit fouineur, en quoi ça t'intéresse? En fait, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver tout le monde. Que ce soit Pokémon, humain. Ne pas aller ici comme ça. Alors. Oh.
d'un coup, ça j'aime bien que c'est d'un coup. Bon, il n'y a pas de Pokémon obscur, hein, apparemment. Il y en a que deux. Voilà, c'est déjà fini. D'un coup, je les ai eu ces Pokémon. Tu es notre pire cauchemar. Ah ouais. Carrément. Ben, n'oublie pas ça. Ok. Faut pas que j'oublie quoi exactement. Ah oui, ça, le truc là. Merci. T'es un méchant toi aussi. Quoi, tu me regardes avec suspicion là? Bah ouais. Aïe aïe aïe, on dirait que tu sais bien cerner les gens. Ouais, j'ai essayé chez moi ça. Bon, je peux peut-être me faire avoir de temps en temps dans la vraie vie, mais bon. Un jeu vidéo, ça va. Alors, morsure sur le petit chien et flamèche sur Magnéti. Ah ouais, cool, d'un coup, j'aime ça quand ça va vite comme ça. Starry, bon bah là par contre, ça, je pense pas que ce sera d'un coup hein, sur Starry. Le petit chien il résiste hein. Bon. Ah non, c'est pas flammé, voyons. Feinte. Ça c'est fait. Ah si, d'un coup. Ah ben, je l'aurais pas pensé. Hein. Ah, vous avez trop bien ce Pokémon. Dommage qu'il est pas obscur. Hein. Je l'aurais capturé. Je l'aurais gardé dans l'équipe. Bon bah là on l'a pas eu d'un coup. J'aurai un niveau 27 là bientôt. Bon, ce sera pas après ce combat là, je pense que ce sera après le prochain. Fais gaffe, un jour cette ville se regroupe. C'est ça, ouais. Et la dame, là. C'est vrai? Ouais. Par contre, là, c'est pas le roi de Justin. Je m'appelle Justin, je suis le numéro 6, il y a donc 5 autres Justin. Donc ça dit encore 5 autres combats. Nous sommes 6, donc notre présence est sextuplée. Notre charme aussi est sextuplée. On fait pas de figuration, nous. Bon, sachant que j'en ai déjà battu 2, donc il ne doit pas en rester beaucoup. 3 avec celui-là, je dirais. Allez, gamin, je vais t'affronter avec mon pouvoir sextuplé. Super. Ouais, je vais les cramer là, ce Pokémon plante. Youpi, d'un coup. Aïe. Oula, attendez, c'est quoi? C'est quoi?
Les assassins ont aussi une capacité pour meurtrir. Ouais, je veux bien. J'aurais préféré ma chouille, mais bon. C'est plus puissant, c'est pour ça. Ce sera peut-être pour plus tard, quand il y aura plus de niveaux. Troisième là qui lui reste, je pense que ce sera un obscur. Ah, celui de tout à l'heure il n'y avait que deux Pokémon et lui il en a 5. D'un coup je deviens trop fort. Oula, attention, morsure et bois flamèche encore ailleurs. C'est qu'à force de faire des combats aussi je gagne en niveau. Eux ils sont qu'au niveau 20, sûr hein. J'ai l'avantage surtout avec Noctali. Je suis déçu à la puissance 6. Ok. Tu n'as encore rien vu de notre amour fraternel. Elle est belle l'amour fraternel. Moi je pensais qu'elle allait me parler du combat que je viens de faire, hein, non, elle, mais non. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a un des Justin par là en bois là? Genre toi là. Enfin non, c'est pas un Justin, il y a un voleur, je veux dire. Je crois que tu pourras avoir besoin d'un objet pour remettre tes Pokémon en forme. Je vais te dire un truc. Voilà, je m'en doutais. Je suis sûr que tu vas avoir quelque chose si tu arrives à me battre. Je m'en doutais que c'était pas le vrai vendeur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des vrais personnages? Ouais, je vais plutôt mettre morsure sur lui et flamèche sur lui. Je vais avoir le niveau 34, ça c'est cool. À partir de là. Et voilà. Merci bien. Encore une luciole. Ouais, d'un coup. D'un coup aussi. Ah non, même pas. Et l'autre, on va voir si je l'ai d'un coup. Ouais. Comme l'autre. Comme l'autre luciole. Pokémon Oh. Ouais, faut que tu fasses attention Pokémon Oh, parce que là... Moi c'est un Pokémon Fudge. C'est un désavantage. Donc bah du coup je mets pas tout sur ces vipères. Hein.
tout mettre sur Wellmar. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on finit sur ces vipères. Et voilà. Vends-moi aussi du rappel. Mais il est parti. Il ne veut pas me donner quelque chose. Là, le vrai vendeur, il est là. Quoi, un soldat du couvent a bloqué l'entrée? Pas étonnant qu'on n'avait pas de client. Très bien, par les temps qui courent, nos marchandises sont très utiles. Acheter, bah oui, pendant que j'y suis. Oh ouais, cool les mecs, on a des hyper balls, super balls. Je vais me ruiner là. Bah du coup, j'ai pas assez pour prendre. Pokéball, j'en achète plus, hein. C'est que Super Ball et Hyper Ball maintenant. Ouais, ça vaut pas le coup. Il vend quoi lui? Il dort. Hein? Ah pardon, j'ai dû m'assoupir. C'est si tranquille ici. Normal, je viens juste de débloquer la situation. Ah ouais, mais alors là, c'est trop cher là. J'aurais bien voulu les PV plus, ouais. Ça va être pour tout de suite. Hein. Ouais, parce que là, faut que j'achète plein de super et hyper ball. Et là, j'en ai que 4 là, ce que j'avais là. Oh là là. Eh, hey, attends-toi là. Je suis sûr que t'es pas le vrai. Viens là, viens là. Eh, hey, oh. Oh non, mais dis donc. Viens ici tout de suite. Hein, tu veux m'aider? Bon, merci, mais tu devrais te préoccuper d'abord de toi. Je m'en doutais. Allez, go, c'est reparti. Je vais foutre la raclée à tout le monde là. Donc pour le moment j'ai pas vu beaucoup de Pokémon obscurs. Ouais, ça c'est fait. Oula, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça risque pas de marcher. Hein. Bon allez, hop. Oh, genre il lui reste un tout petit PV. Au secours! Genre, il a peur de moi. Il n'a pas fait tomber un truc qui brille, lui. Elle, c'est pas vrai. Oh non, le groupe Ombre a infiltré la ville. Mince, notre couverture était vantée. J'en doutais. Tu aurais dû rester jouer joyeusement à la tour Titanic. Bah non, si je suis revenu, c'est qu'il y avait une raison.
Et je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dans leur façon de parler, tout ça, ça se voyait, quoi. Les bébés. Surtout elle, parce que elle, j'arrive dans la ville et hop, elle me fait aller ailleurs. Ça se voyait trop. Ouais, c'est tout ce que ça fait un flamèche là-dessus. Ça me surprend. Bon, la coquille d'œuf, par contre, elle a pas fait long feu, hein. Ah, il n'y en reste plus qu'un, bon, ça va aller vite. Bon, en fait, ceux qui sont en uniforme, ils ont plus de Pokémon. On va remarquer celle-là aussi, là. Non, c'était les Justin qui avaient plus de Pokémon, je crois. Cette boîte au log pour que tu partes. Bah oui, justement, j'avais deviné. Ah, c'est ballot. Hein. Tiens, il y en a un, Justin. Ouais, je m'appelle Justin Bieber, yes. Je suis le plus fort des Barclays et le gars le plus populaire de Fnacit en plus. Autrement dit, je ressemble à Justin Bieber sans aucun déguisement. Lol, je blague. Regarde-moi, j'ai l'air cool comme Justin, non? Allez, je vais t'affronter. J'avais déjà perdu contre moi l'autre fois, mais bon. Ah, c'est comme les autres d'ailleurs. Ils veulent se battre encore et encore. Bon, ils veulent bien, non? Mais bon. Ils viennent pas pleurer après. Hein. Ouais, deux d'un coup, ouais. Ça, c'est bien. Là. Morsure. Et feinte, ouais. Moi, ça va être d'un coup aussi, hein, j'imagine. Ouais, ah, trop fastoche, les mecs. On les a eu d'un coup, tous les trois. C'est ce que j'appelle une défaite lamentable. Sale gamin. Hein, il est en colère là. Quand je deviens sérieux, les conséquences peuvent être graves. C'est pourquoi j'y suis allé doucement avec toi. Mais oui, bien sûr. L'excuse bidon. On dirait que les événements s'accélèrent ici. Je crois que notre couverture a été éventrée. Je pense qu'il est temps, de toute façon, qu'il fallait que je sorte de ce costume. Ouais. Je peux bouger normalement à nouveau. Je vais pouvoir me battre en ayant toute mon essence. En tout cas, il n'a pas toute sa tête. Hein. Vous avez tous un problème psychologique, hein. Deux poissons, ça va aller vite fait. Ça. Et si je les bats tous d'un coup comme ça, ça va être rapide encore.
pense que c'est Justine surtout que je dois tous battre pour passer là après. Mais bon, je fais les autres aussi. Hein. Là, on a presque fini, je pense. Par contre, on l'a pas eu d'un coup. Trois coups, ça va être. Là, ça va être le troisième coup. Et les autres, on les a tous eu d'un coup, quoi. Truc de ouf. Et voilà. Je ne suis pas censé perdre comme ça, c'est pas bon, ça. C'est désert hein. Ah celle-là, je suis sûr que c'est encore un bleu. Oh regarde là, le regard que tu me lances en dit long. Tu connais ma vraie identité? Bah ouais, tu sais quoi, t'as raison, évidemment que j'ai raison. Il y a plein de choses qu'il vaudrait mieux que tu ne saches pas, mon garçon. Ah ouais, mais je sais tout déjà. Vous êtes des voleurs Pokémon, vous les empoisonnez. Et en plus, vous voulez... voler des villes, en gros. Et le monde entier, même. Et ils enferment tous les autres. Enfin, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais... Bon, je pense pas qu'il y ait de crime hein, dans Pokémon. Hein. Moi je dirais plutôt pris au piège, enfermé. Comme tout à l'heure là avec le magasin là. Oh un corallon. Il est pas obscur en plus. Oh pas de chance. J'en voulais un. Moi je voudrais un corallon. Et un Absol dans mon équipe. Ça changera de mes équipes sur mes autres jeux d'ailleurs. Je vous rassure, hein, j'ai pas toujours les mêmes Pokémon dans mes équipes. Hein. Facile de choisir. Pourquoi as-tu voulu te mêler de nos affaires? Bah ben, c'est pas vraiment que j'ai voulu en fait, c'est que j'avais pas le choix toi. Je vais pas vous laisser foutre la merde quand même. Bon. Julien s'il reste encore des gens. Donc elle c'est une vraie, donc pas besoin d'aller en kiné. Là il n'y a personne, on a tout fait. Là-dedans par contre. Tu es bon, mais ta manière de combattre est différente. Les Pokémon ne sont que des outils pour le combat. Ta façon de combattre, tu es vraiment trop doux avec tes Pokémon. Ah bah ça pouvait être que pour dire des conneries pareilles. Apparemment tu m'écoutes pas, je crois que je ferais mieux de t'affronter pour que tu comprennes. Bah en fait c'est plutôt moi qui va lui faire comprendre. Mais bon, je pense que je vais beau lui faire comprendre. Ça marchera point.
parce que le niveau 30, ça me plaît. Genre 10 niveaux d'avance sur les autres là. C'est pour ça que ça va vite les combats là. Alors, sur ici et flamèche sur la plante. Ah mince, j'ai mis feinte. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Je peux lui mettre flamèche. Ah bah oui, du coup. Ah, remarque, c'est peut-être pas plus mal parce que vu que c'est un Pokémon obscur, j'ai mis flamèche. Il serait KO. Bon bah, heureusement que j'ai une mauvaise manipulation. Finalement, c'était une bonne manipulation du coup. Parce que j'avais pas fait gaffe en fait que c'était un Pokémon obscur. Du coup, ça m'arrange. Je vais aller faire soigner les Pokémon peut-être. Objet. Attendez, je reviens, il y a un niveau combien? 20? 22? Ouais, Pokéball, hein. Ça passe les Pokéball encore. Moi, je dirais jusqu'au niveau 25 les Pokéball. Hein. Voilà, ça c'est bien. Elle a pas compris, mais par contre, faut être déçue. Tu ne comprends pas ce que nous faisons. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle a toujours pas compris. Ah, quand t'es con, t'es con. Hein. Alors là, il y a Justin, mais là, là. Ouais, ça doit être un gentil. Bon bah, il va falloir battre Justin maintenant. Je vais sauvegarder un petit coup. Maintenant, go! Tu es bon, tu sais, je suis le vrai Justin. Quoi, tu crois que je suis un imposteur? Ok, c'est vrai, si tu veux être précis, je suis le vrai imposteur de Justin. N'importe quoi. Même Justin n'a rien pu faire lorsqu'on lui a montré la ribambelle d'otages. Lui, le maire et les autres ont été des prisonniers modèles et ils se trouvent dans la cave du CFP. Si tu veux jouer les héros et les sauver, libre à toi, mais il faudra d'abord me vaincre. Je m'en doutais qu'ils les avaient enfermés. Quelque part. Alors là, je vais faire ça, et puis ça. Bon, ça doit être le dernier combat là, je pense. Parce que c'était le dernier Justin. Je suis sûr qu'il en a moins un obscur. Et souvent c'est pour la fin. Ah, c'était quoi qui a pas infecté? J'ai pas bien vu ça. Dommage. Attaque Marcieux ici. Ah mince, j'ai plus de. J'ai mis trop de feinte. Bah du coup morsure, il y a encore morsure. Ah non, mais c'est pas cool ça, bon.
Il a raté son attaque, ouais. Au niveau 35, il ouvre son attaque. Non, mais où? Je vais pas laisser passer ça, moi. Hein. Enfin, je vais mettre poursuite. Enfin, mais... Oh, mais c'est pas possible, ça. Ah, il résiste. Oh, du calme là. Ah, pas non. Je vais plus avoir de martyrs non plus. Ah, faut pas louper ses attaques là. Hein. Voilà, je préfère. Bon, doucement, pas trop fort quand même, parce qu'il est obscur. Ouf. Mais où ça la trouille? Bon, bah c'est le moment là. C'est le bon moment pour attaquer. Enfin, pas pour attaquer, pour l'attraper, je veux dire. Oh. Voilà. Ma miaouce. Mince, j'ai tout raté. Et ouais. Merci pour les 1000 dollars. Désolé, mais me battre ne te permettra pas de les libérer. Tu as besoin d'une clé pour prendre l'ascenseur qui mène à la cave du CFP. Moi, je ne suis pas assez important pour qu'on me la confie. Ah merde, faut que je cherche une clé maintenant. Ah, ok, donc parce que ça, je vois bien que ça contrôle quelque chose. Bon, il faut la clé et elle est là. C'est ça que ça doit ouvrir. Une clé, une clé, une clé. Bon, ça doit être à l'extérieur. Hein. Ouais, je vais soigner Pokémon déjà. Et après je vais aller en haut là, peut-être que je peux passer maintenant. Hop, ça c'est fait, on a fait une bonne sieste, maintenant ça partit. Est-ce que je peux passer? Bah on dirait que notre secret est découvert. On ne souhaitait pas attirer l'attention avant d'avoir fini l'opération de récupération, mais il est trop tard maintenant. Ouais, je vais pouvoir passer après le combat, quoi. Oula, j'ai dit récupération, oublie ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Et ta clé, après, elle doit être là-bas. Attaque morsure et flammèche. J'ai hésité. Voilà. Et comme Pifei est un Pokémon plante, j'avais envie de mettre mon flammèche dessus. Hein. Ah, obscur. Ouais, bah tant mieux si t'as la trouille. Faire ça.
Voici. Ah, j'ai peur de faire une connerie. Je vais plutôt faire ça. Et me sortir avec celui de Démolos parce qu'il est moins fort normalement. Pour le Pokémon obscur. Voilà. Oh non, ça même pas. Non, c'est pas possible, j'ai pas eu. Ah, pourtant j'étais sûr que ça allait bien se passer. Bah non. Bon, bah ce sera une autre fois. Ah, je suis deg. Non. Oui, je vais bien avoir faim. Quoique. Je sais pas en fait. Une charge, ok, c'est pas terrible, mais ça peut me servir quand même. Bon, allez. Tant pis, je le mets. Parce que charge, c'est pas très puissant comme attaque et. Pour le Pokémon obscur, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû mettre là tout à l'heure. J'ai fait vraiment le mauvais choix. Mais je m'y attendais tellement pas. Attends, ne sois pas si dur. Eh, ça va, je t'ai même pas pris Pokémon. Ah, Marcarin, il s'enfuit en fait. Ah oui, d'accord. Je vois, il s'enfuit du coup. Ouais, j'ai pas le temps de m'occuper de grosses touffes. Hein. Je cherche une clé, il n'y a personne ici. Ah, moi je peux rentrer là. Oh, encore des méchants. Bonjour toi, on t'a pas dit que c'était privé? Et moi qui disais tout à l'heure, oh ça doit être le dernier combat. Oh bah non, il y en a encore. Ah ouais, cool, d'un coup. Ok, obscur. Et moi, je vais avoir le niveau 30. Chaque fois je fais ça. Alors là je vais mettre. C'est là que j'aurais dû garder charge. Poursuite. Je vais mettre onde folie. Et tu mets pas un gros morceau de. Donc je le capture l'autre là. Oh, c'est pas vrai! Oh non! Oh là là! Bon, bah, moi j'ai le niveau 30. Parce que si j'aurais capturé, j'aurais pas eu le niveau 30. Mais j'aurais quand même préféré le capturer. J'ai perdu face à un gamin! Et ouais. Moi, t'es pas la seule, hein, qui a perdu contre moi. Encore un combat! Reste en dehors de ça, gamin, c'est pour ton bien. Ok. Ils sont vraiment perturbés dans leur tête, hein. Ah, c'est pas le moment d'être intimidé, les gars, oh. Après ce combat, on va en rester là et on cherchera la clé au prochain épisode, les gars. Elle doit pas être très loin, la clé, là.
Moi je vais mettre ouais, pareil que tout à l'heure, allez hop. Obscure. C'est un tas de meurtres. Moi j'en ai loupé deux, j'ai pas envie que ça recommence encore. Même si c'est un tas de meurtres. Moi j'ose plus attaquer maintenant. Je vais lui mettre un folie, puis voilà. Alors ça va pas être suffisant à mon avis. Mais bon, je le fais quand même. Hein. Et tu me la gaspilles pas, tu rentres dedans. Ah, je vous jure, je n'ose plus du tout les attaquer, les obscurs. Il y en a deux qui me sont passés sous le nez. Ah, c'est bon. Sinon, il faudrait que je sauvegarde à chaque... avant chaque combat. Mais bon, ce serait un peu de la triche hein, de faire ça. Ok, bon, alors c'est moi qui ai perdu. Eh ouais. Et là, je vais sauvegarder. Et on va s'y remettre prochainement.